Alain Delon, on ne le sait pas trop, Véronique de Villiers lève le voile sur les derniers mois de l'acteur à Douchy. Alain Delon aura droit à un hommage officiel le 8 novembre au Palais des Congrès. Pour l'occasion, Jordan de Luxe a invité Véronique de Villiers et Norbert Saada, amis d'Alain Delon. Il s'agit d'un ciné-concert symphonique avec un orchestre. 80 musiciens joueront sur scène 20 musiques de 20 films lors d'un spectacle de 2 heures. On a décidé de monter ce spectacle ensemble, révèle Norbert Saada, producteur. Les rapports avec Anouchka Delon et Alain Fabien Delon ont toujours été tendus. Elle a fait beaucoup de misère quand ils étaient jeunes. Alain Fabien a eu des rapports très compliqués avec sa sœur, explique Norbert Saada. Il a beaucoup de courage, il est très timide et réservé. Il a quand même habité à Douchy avec son père. Ce n'était ni Anthony, ni Anouchka qui étaient là. Il s'est occupé de son père à le pousser dans un fauteuil. À le faire bouffer, on ne le sait pas trop, mais si est-il la vérité, complète Véronique de Villiers. Alain Fabien a toujours voulu accompagner jusqu'à la fin, à Douchy, lieu où vivait l'acteur. Au départ, il avait loué un studio à Montargis, car il n'avait pas beaucoup d'argent. Pour aller voir son père tous les jours. Et un jour, Anthony lui a dit que c'était ridicule. Et de venir habiter directement à Douchy, que c'était plus simple. Il est venu à Douchy et si est-il lui qui s'occupait de son père tout le temps. L'acteur appelait régulièrement ses amis en numéro masqué. Il avait quand même un numéro spécial. Tous les messages que je recevais de lui, j'ai énormément de messages, il s'agit de 300-400 messages. Si est-il lui qui a même fait la messagerie de mon portable, explique-t-elle avant que Jordan de Luxe n'appelle. Et entendre la voix d'Alain Delon. Incroyable, je n'en reviens pas. Pour Véronique de Villiers, Alain Delon a toujours été un ami loyal. Alain Delon, on était très proches depuis plusieurs années. Je lui ai demandé il y a 20 ans s'il acceptait d'être le président d'honneur de la Fondation Recherche Alzheimer. Il m'a dit tout ce que tu veux. Et à partir de ce jour, si est-il ça qui est important, il a toujours été là pour l'association. Explique son ami en révélant que la soirée du 8 novembre est dédiée à l'association.